Chaque message, un journalier de ta petite voix intérieure, peut être une direction générale pour ta journée. Et réécouter ce message le soir peut t'aider à considérer ta journée qui vient de s'écouler. Namasté. Bonjour, je suis ta petite voix. Et je viens te dire aujourd'hui, 8 janvier, que gardes-tu dans ta conscience? Je ne veux pour toi que le mieux et le plus élevé. Maintenant, si tu choisis avec ton propre libre arbitre quelque chose de moindre, que tu attires à toi et te satisfais du second choix, alors je n'y peux rien. Ne crains jamais de compter sur le meilleur. Ne ressens jamais que tu es indigne d'avoir le meilleur ou que tu ne le mérites pas. Je te dis que c'est ton véritable héritage. Mais tu dois le réclamer. Tu dois l'accepter et compter dessus. Cela t'appartient. C'est mon cadeau pour toi. Vas-tu l'accepter d'un cœur plein et reconnaissant, ou alors le rejeter? Ne laisse pas la fausse humilité t'empêcher d'accepter ce qui t'appartient de droit. Et ne te contente pas de l'accepter, mais exulte de joie au-dedans et rends grâce éternellement dans ta vie, en sachant sans l'ombre d'un doute que tout ce que j'ai, eh bien, t'appartient. Je te souhaite une belle journée. 12 pensées